cette vidéo, on va essayer d'aller sur le site qui est là, qui s'appelle www.noip.com pour d'abord s'enregistrer sur ce site. Si vous êtes déjà enregistré, vous pouvez simplement vous loguer avec Sign-in. Sinon, vous faites Sign-up pour fabriquer votre login. Alors moi, je vais en créer un du genre... Enfin, je vais mettre mon email. Faut créer un mot de passe. Bon ben, mettez là. Ensuite, on clique sur Free Sign Up. Et puis, on a une adresse OpenGmail. Voilà. Ça prend un certain temps. Et puis, effectivement, je peux confirmer mon OIP account ici. Confirme. Voilà. Alors évidemment, je dis que je vais faire ça pour des raisons personnelles et pas pour du business. Et puis, pourquoi je vais l'utiliser? Ben, je sais pas, par exemple, pour distribuer des documents aux élèves ou à des collègues qui seraient sur mon ordinateur à la maison. Ben, par exemple, je sais pas, je peux cliquer sur le premier exemple là. Puis continue. Et puis c'est bon. Maintenant, évidemment, c'est ce que si je suis libre et sans payer, ben, j'ai droit à ça, n'est-ce pas? Et puis si je veux payer, ben, il faut ajouter une carte de crédit. Alors je vais créer un hostname. Je vais lui donner un nom. Alors Eric Sem. Hop, j'ai oublié le C. Eric Sem. Et puis mon adresse pour le moment celle-ci. Il a détecté tout seul. Voilà. Ensuite, l'option, ben, je vais prendre. Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait un truc .ch ici. Alors pourquoi pas prendre celui-là? Je crée mon hostname. Et voilà. J'ai donc ericsem.gotdns.ch qui va pointer sur ça. C'est mon ordinateur personnel qui va donc contenir mon site web. Si je veux, je peux créer une clé là. Enfin bon, bref. Voilà, je crois que c'est pas indispensable. Alors évidemment, je vais taper sur ericgotdns.ch sur mon téléphone portable, par exemple, ou depuis l'école, pour essayer de voir si ça marche. Merci de m'avoir écouté.